C'est toujours une très grande ferveur ici dans les rues d'Ajaccio. On a l'impression que toute la ville est là. Et c'est vraiment très beau, réuni par la Vierge Marie qui, comme d'habitude, nous oriente et nous conduit vers son fils Jésus. Vous qui n'êtes pas ajaxien, c'est une fête que vous avez fait vôtre ? Bien sûr, ça fait ma 5e Madonouche, puisque je suis là depuis 5 ans. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je participe à cette fête. On voit toutes les générations réunies aujourd'hui, c'est important justement de lier toutes les générations dans la foi. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Mgr Perrier qui préside ces fêtes. S'il pouvait y avoir autant de monde tous les dimanches à la messe, on serait heureux. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de particulier ici dans cette religiosité populaire qui dit des choses très profondes parce qu'on prie pas simplement avec sa tête, mais on prie avec son corps, avec tout son être et surtout avec tout son cœur. Même des gens qui ne sont pas forcément croyants ou peu croyants, eh bien ils sont là parce que, enfin je ne peux pas me mettre à leur place, mais en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Ils sentent qu'il y a une aspiration à quelque chose qui dépasse le matériel, si vous voulez.